Oh, comment ça va? Oh, en même temps. Ça va super, et toi? Ça va. Parfait. AirPod, ordinateur. Scriptise! Pouce, orteil, corps entier. Donc Scriptise. Est-ce que c'est un Scriptise que j'ai vu ou pas? Je sais pas. En plus, je te cache pas que lui, on l'a pris un peu par hasard. Ah, alors vas-y. Au petit bonheur. Ça, je le connais, ça, je connais pas, on va voir. Ça s'appelle décollage immédiat. Décollage immédiat, ça me parle peut-être. Je sais pas si le décollage, c'est comme en Guadeloupe, parce que voilà, le décollage, c'est le verre que les gens prennent. Je pense que c'est du décollage comme ça, parce que vu l'état de l'appartement. J'avoue, ça commence bien. On y va? Allez. Allez, bon, vous connaissez Scriptise. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Exactement. Et partager. Ça, c'est important. Et pour démettre les orteils. Vous venez vous abonner à nos Instagram aussi. Voilà. C'est important. Ah. Oh, ça, les mecs qui ronflent. Déjà. Ils sont où? On dirait un appart au ski, tu sais. Un chalet. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je dors. Oh. Il est midi là. Le mec qui ronfle. Midi. Qui dort. Bah, midi ça va. Midi moins le quart, c'est pareil. S'il est en vacances. Bah, midi moins le quart. Tout à l'heure là, à 10h30, là, très réveillé, tu t'es pas levé. Non mais lève-toi tout de suite là, parce que je te connais, tu... Mais attends, t'es là. Tu dors. Oui, là, et puis tu te rends. Oh là là, non, de Dieu, putain. Il y a eu la sirène d'alarme deux fois cette nuit. Ouais, d'accord, mais... Chier. Tu t'es couché à quelle heure aussi? Hein? Ah! Tu t'es couché à quelle heure? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il est bien ce mec, écoute. Personne n'a vécu devant. Ah, c'est... Ouais. J'aime beaucoup. Mais il est où le mec? Il est derrière, les pièces sont là. Il y a différents hommes-femmes, il y a aussi... Des différences bien plus profondes. Ouais, ils sont combien dans la partie? C'est l'une. T'entends le mec? Il y en a un qui pisse ou alors on se fait couler de l'eau. Ah, c'est extraordinaire, ça commence bien. Le jour et je pense que c'est ça. Oh là là, on comprend rien à ce qu'il dit dès le matin. Dès midi, le mec est décalqué. Attends, je pisse. Les toilettes. Un lavabo, c'est pas grave. T'imagines le bordel. Oh là là. Alors. Descends quand tu te lèves. Non, mais d'accord, mais tu te lèves vraiment. Écoute, écoute, là, il y a un type vachement intéressant, France Q. J'écoute ou j'y vais? Ah, il écoute la radio. Écoute en bas. Oh, l'ancien. Et surtout, pas chercher à changer. De quoi c'est monsieur? Et ça, c'est. Le type, là, que j'ai entendu ce matin, il a écrit un bouquin. Trois bouteilles de rouge. Mais, il sait plus où, il y a tellement pas de place qu'il sait plus où poser les... Il dit, pour moi... Oh le bordel, maman, maman... J'ai un philosophe, il a un gros problème, toi. Hein? T'as pas été licencié, toi? Ça fume à l'intérieur et tout. Allez. Non. Licencié. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, c'est le père et le fils, ouais. Tu fais plus ton métier d'homme, hein? Ah! C'est vachement puissant. Ah, c'est puissant. Je fais pas mon métier d'homme. D'accord. Petit déjeuner à midi. Ah oui? T'as un humour. C'est pas de l'humour? On dirait. Je parle sérieusement. Putain, on dirait le philosophe gâteux alcoolique, hein, apathique, agnosique, yapasique. Une sorte des mots. Je sais même pas ce que ça veut dire. De toute façon, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Ce sont des noms de médicaments, en fait. Aspégique. Ah, bien joué. Eh oui. Bravo. Alors. Et Apraxis. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Voilà. Tous les symptômes de l'Alzheimer. J'ai rien compris. Mmh. Ça va. On n'est pas seul. Y'a pas transition. Où tu l'as mise? Quoi? Où tu l'as mise, la soudure? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas, mais pourtant je suis devant toi. Ah, d'accord. Pas loin, je crois. On va souder maintenant. Ah si? On va faire un briefing quand même. C'est pas parce qu'il est tard que je m'en fous de tes briefings. Je vais souder mon truc. Quel manteau? Je m'en fous de tes briefings. Je m'en fous de tes briefings. Je chie. Ah, c'est un bordel, c'est incroyable. Elle est dans le sac. C'est quoi la soudure? Sous la gueule du frigo. Oh, devant les disques. Le mec, il n'a même plus accès à la fenêtre. Ah ouais. Là, tu peux pas louper. Sur les godasses. La bouteille de lait qui est accrochée à la poignée de la fenêtre. Ça fait des mois qu'elle est là. Oh, bon. Un sac. Dedans. La plaque, c'est un autre sac. Oh, c'est un enfer. Transparent. Alors, il y a un sac. Sous le sac, il y a un sac transparent. C'est pas celui-là. Tu vois, il y en a deux. Avec un grand crayon noir auquel je tiens. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Voilà. Là-dedans, là. Oh, magnifique, il est doué. Toi, tu retires le sac, et là, t'as un grand crayon noir, et t'as le produit, et t'as même la ficelle et des bricots. Il sert à quoi, ça? J'ai pas trié, il y a une... Il y a un pied à coulisse, là-dedans. Ah, d'accord. Oh, allez, dégage. Oh là là. C'est chiant. Ça sent l'amour, hein? Qu'est-ce qu'il regarde, lui? Tu chantes? C'est quoi, ce bruit? T'as des bouteilles rondes ou pas?
c'est un jeu pour bébé. Voilà, en fait, il y a un air par personnage. Ouais, c'est ça. Ouais. Il répète tout seul, ce con. C'est moche comme ça quand tu joues pas. C'est vrai, j'ai compris ce que tu faisais quand je suis pas là. Non, si. Tu l'as fait pas non, tout le temps. Non, maintenant je sais. Mais non, la pile serait morte si je le faisais tous les jours. Si tu peux me trouver 2-3 ingrédients, là, je commence non, à faire non, ma fusée. Non, tu vas pas faire ta fusée maintenant, si. Ça c'est... Une fusée. Mais non, ça c'est... après, on va se promener, je l'essaye. Voilà, c'est un bon on va se promener, je l'essaye. Je comprends rien. Ça va pas la tête. Ouais, c'est un compromis. Bon, sinon, le cinéma, éventuellement, là, si t'arrives à savoir ce qu'il y a, on peut y aller. Ah, bah, on va regarder le journal. C'est mercredi. Le journal. Il n'y a pas de problème. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, bah, d'accord. Picard je t'avais dit que. Ah, bien bon, d'accord, je veux bien sacrifier de l'essence. Oh mais c'est le bordel de partout. Que... Sacrifier de l'essence. Attends, c'est toi qui m'as proposé le cinéma. Oui, mais oui, mais le cinéma plus une. Putain, c'est génial. Fais gaffe au plateau, Tristan. Le cinéma plus une démarche à la sécurité sociale, comme ça on amortit le voyage. Ouais. Ah, c'est des radins en fait. Il a aménagé une vanne. Parce que il faut appeler ta mère. Ta gueule. Oh, jeune homme. Bah, on va aller se détendre, on va faire un petit tour. Sûrement pas, moi je boucle ça et puis après. Qu'est-ce qu'il fait ça va pas, Tristan. Avec le soleil qui fait, hein, ton qu'est-ce truc, il avancera qu'est-ce plus en marchant qu'en te fatiguant. Putain, mais tu me gonfles, je vois pas que tu me gonfles. Il y arrive pas. Faut le poser sur la... Oh là là. C'est ce TPE, c'est avec les doigts dégueulasses. Vous faites des calculs. Ouais, ouais. Il y a une là, c'est pour faire sa fusée. Ouais. Une expérience. C'est pas le TPE. Mais non, ça va rien. Ouais, t'as dit que tu faisais une fusée pour le TPE. C'est la largeur du mec. Tu t'amuses. C'est plaisir. Bon. Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Il faut pas chercher à réussir, faut chercher à progresser. C'est ça qui est important. Mais là, c'est réussir, bon. C'est rien. Ça sert à rien mais de réussir. Arrête, c'est ta morale à 2 francs. Bon, c'est pas de la morale à 2 francs. C'est pas très bien, en plus, là, ce qu'il y a son discours. T'es chiant. Je sais pas quoi faire. Bah, tais-toi. Hein ? Moi, je vais aller... On va aller faire un tour, s'il te plaît. Hein ? Bordel. Ouais, elle réagit. Les oies, c'est dur de les faire parler. Ouais, le dindon aussi. Là. Ah, ah oui, elles font comme et ça. Oh, le cameraman doit mourir de rire, là. Elles réagissent pas. Faut pas comme ça, les oies, tu fais c'est dur, je sais. Là, un peu. Ah, elle penche la tête. Elle penche la tête, regarde. Là, je suis sans réaction, parce que c'est trop lunaire, ce que moi. En vrai, il fait trop bien. En vrai, non, c'est vrai. Il y a quand même un truc. Ah ouais. C'est dur, je suis pas en forme. Oh là là. Je te passe la bouffe, allez, tiens. Prends. De toute façon, il n'y a pas de place. Le seul endroit où il y a de la place, c'est sur le côté. Là. Sérieux. Ça, c'est le cul, il n'est pas bon. Purée. C'est pas génial. Hein? C'est pas possible. Pourquoi ? C'est sinistre, c'est ça qui est chiant. C'est sinistre. Qu'est-ce qui est sinistre ? La lumière ? Non, le repas, tout. Pourquoi c'est sinistre ? Je sais pas. Là, il a raison, hein, c'est un peu sinistre. Il fait froid. Pas de musique, hein, pas d'ambiance. Oh, pas de style. Ça pue, il le dit. Crade. Bon, il fait pas froid. C'est juste laisser la fenêtre ouverte. Non, je dis que si tu me fais des journées... glandouillage. Glandouillage. Briefing, 40 fois dans l'après-midi. Oh yeah. Moi, je préfère autant fermer mes doigts. Non, mais tu peux pas ranger un peu, tu peux pas travailler dans cette chambre. Hein. Et c'est lui qui dit ça. Tu as pour mettre tes chemises, bordel. Je range la chambre, mais moi, je te regarde ranger. Ah tu me diras, ça risque d'être long. Putain, c'est pas vrai. Tu tires des pinards. Ouais. C'est effarant, tu rends pas compte. J'ai toujours pas compris le décollage immédiat. Hein. Je sais pas. Ouais. Avec son petit bâton de berger. Allez, tu sais quoi, on va aller chercher le mouton. On va par là. On est où là, le quartier ? Ah non, c'est pour aller chercher des pommes. Il a perdu la pomme. Ouais. Ah là voilà. Moi je t'attends pas. Ça me fâche les couilles, les caméras. T'as vu qu'il y avait des pommes à ouais, la hauteur de... Il les a pas prises. T'as vu qu'il y a des pommes là-haut. Oh là là. Attends, de mèche. Eh ben on va courir. On va la mettre à il a fait ça. Du vent. Ah, il a dû faire la fusée, du coup. Ah ouais, c'est ça, ils m'ont testé, machin, la campagne. Voilà, décollage immédiat. On va le mettre dans un creux. Oh. Il a fait son truc. Traviole, là. Ils vont se bousiller, les deux génies, là. Je le fais mieux tout seul, là.
Ah, il a fait la mèche. Okay. Je me fais mieux tout seul, je te dis. C'est traviole, forcément, c'est traviole, puisque t'as pas contrôlé. Je t'ai dit, tu contrôles sur mon ventre l'axe. Ah, allez, les. Laisse, tiens le scotch. Non, le danger, c'est que ça recule. Oh là là là. Alors, trouve-moi des fourches. Trouve-moi une autre fourche. Mais c'est bon, là. Non, ça va reculer. Il va pas s'appuyer. Je vais s'engueuler. Je me fous de ce que tu dis. Elle s'appuie pas sur quelque chose, la fusée, pour partir. C'est pas. Elle fait pas. Elle s'agit du cul et elle sort. Il y a des. Non mais laisse tomber, force. Je te dis que c'est voilà. Bon comme ça. Voilà, il ressemble à le monsieur qui parle, il ressemble à un mec connu, ouais. Qui faisait des fusées là, comment il s'appelle déjà? C'est un mec journaliste qui faisait des émissions comme Temps X avec les frères Bogdanov. Il me faisait penser à un mec, mais je pense pas que c'est lui. Ah, c'est la même voix et tout. C'est François-Olivier Gisbert, mais c'est un peu... Non, c'est pas lui, c'est un autre, ouais. Un autre. Mais il fait pas les émissions dont tu parles. Ouais, et le mec il expliquait les fusées, la combustion, le machin. Bien. Ouais, le mec c'était trop fort. Et quand il parlait, tu sais, t'étais tellement captivé par ce qu'il disait que tu comprenais ce qu'il racontait. Je sais plus comment il s'appelle. Mais par contre, on parle. Non, toi tu barres là-bas. Et moi, je vais allumer le truc. Là. Voilà, et après, tu le rejoins. Okay. Tu fais le check-up. Non, le check-up, il est bon, là. Mais c'est qui, ces génies? Ils sont fous. Il y a rien qui bloque. Donc, le but de la manœuvre, c'est qu'il y ait une poussée et qu'elle aille un peu là-bas. Putain. Ne filme pas. Filme. Oui, bah oui. Filme-les. Ah, merci. Non, mais recule. Ah, elle est partie. Attention. Il y en a combien? Il y en a qu'une. Génial. Ah, tiens. Bon, évidemment, la trajectoire est pas sans sas. Il y a rien de sans sas. C'est beau, non? Ouais, ça pue. Mais on s'en fout, c'est beau. Oh. Un proto qui décolle. T'as jamais vu les fusées russes? Oh. Elles tombent tout de suite. Oh là 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 là. C'est génial, ça. Ça décolle. C'est pas russe, c'est Afghanistan. Là. Bon, il y a un petit problème de pas de tir, à mon avis. Parce que... Mais c'est bon, ça, c'est très bon. Ouais, je vais peut-être pas m'approcher trop, quand même. Laisse tomber, c'est bon. Oh, l'ogive, c'est plus une ogive, c'est des... L'ogive. On a rien à foutre de l'ogive, mais putain, mais merde. Ça se fait sur la durée. Il y a la télé. Oh là 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 là. Même sur la télé, il y a plein de trucs. Oh, bordel. Il pleure, t'as vu? Il pleurait, le mec. C'est quoi, lui, travailler? Regarde, la casserole, elle est sur le côté. Ah ouais. Bizarre. Il a été licencié, donc il ne travaille plus. Ah, du peut-être. Coup, c'est un son très très bizarre. Non, mais là, c'est... Allez, un petit coup de jazz. Allez, là, allez. Envoie-le. Dépêche-toi. La radio, la télé, moi, je vois. Ça, c'est le petit verre. Tout le temps, la radio, la télé. Je mets France Culture, mais t'éteins la télé. Bon, j'éteins le son de la télé. Tu me mets un petit peu de France Culture, pas trop fort. France Culture. J'ai l'impression qu'il y a une musique intéressante. J'ai lu ça dans le. À moins qu'il soit fini. Ça marche pas. Mais si, ça marche. Ah, il faut faire une pichenette. Ouais. Oh, je suis mais impressionné. Bon, donc le poulet... Oh, l'ambiance! Ça, c'est vraiment un mystère, je crois que tu m'expliques ça. Et les pommes de terre, encore pire. Mais les pommes de terre ont cuit à la vapeur. Ouais, mon cul. T'es sûr que c'est pas dans ta tête qu'il y a de la flotte? Putain, pourquoi il fait des réflexions comme ça, finalement? C'est pas gentil. Ils ont laissé le fond musical. Faut filmer l'église. Tu vas mettre des ailerons en plastique. Allez, on parle de la fusée, quoi. Tu colles. Et tu donnes un coup de peinture là-dessus. Mais il fait le lit alors qu'il est dedans. Ouais. Ok. Mais le bord. Une petite et une grande lumière. Je vais éteindre. Mais tu me refais pas toute la cérémonie. Quelle cérémonie? Oh, moi j'en ai besoin de ça. Hein? J'étais privé. Et là, ça tape, 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 là, c'est fini. Si? Allez. Oh là là, putain, il met la musique, mais c'est une grande. Oh putain, c'est magnifique. Ouais, je sais. Ah bah tiens, je prends. Et tu le mets au bébé, ça tue de pas Jacques. Ouais. Tourne les matines, sonne les matines. Et ça fait ding ding dong. Bon, bon, bon. Ding ding dong. Ding ding dong. Tu vois, je t'avais dit. Oh, c'est... Non, mais c'est des fous. J'ai rien compris. Franchement, c'est une des vidéos les plus choues. J'ai rien compris. On est deux. Tu sais, autant des fois, tu dis ah ouais, ok. Ouais. Mais là, tu comprends pas. Autant Docteur Lulu, tu as compris que c'était un mec oui. À l'époque qui essayait de faire. J'ai l'impression qu'elle était courte celle-là, non? Ouais, elle était un peu courte. Ouais. Pourtant, elle a beaucoup marché en plus sur la chaîne de striptease. Hein. Bah, Nicolas, j'ai me dit, je crois que ça allait parler d'alcool. Bah ouais. Mais, il y a des soucis. Hein. Ouais, ouais. Là, les deux, ils ont des soucis. Ah, d'accord. J'espère que ça va mieux aujourd'hui. Grave, on espère aussi. Merci pour ce petit moment que nous avons passé en votre compagnie. Exactement, toujours, toujours. Avec la fusée à décoller. Voilà, ça au moins, c'est une bonne chose. Et ben du coup, on se refera notre striptease bientôt. Ah ouais, ouais, plaisir, j'aime beaucoup ça. Ouais. Moi, je me suis moins marré sur ce truc. Ouais, c'est vrai. Bah là, je pense qu'en fait, c'est, excuse-moi d'utiliser ce terme, mais c'est que c'est deux ovnis, les types, en rapport avec la fusée. Mais du coup. Non, on est d'accord que, attends, ils sont trop chelous. Allez, salut tout le monde. Allez, ciao. On peut plus.